va tirer ce corner directement dans la boîte avec Cheick Ndoye qui a sauté au-dessus de tout le monde. Bah attention, avec Kadiou qui récupère avec Cheick Ndoye maintenant, la très belle remise dans la surface et la parade, la grosse parade de Yann Maria à bout portant. C'était Damien Durand là qui était juste devant lui. Avec Maxence Rivera maintenant qui peut se projeter le bon ballon pour Dadoun. Dadoun qui a le compte. Dadoun qui va dribbler le gardien. Dadoun, la frappe est gauche. Mais le gardien du Red Star qui était là, Ludovic Butel. Alors attention parce qu'il y a des grands gabarits, on l'a dit. Du côté du Red Star, Damien Durand, c'est bien tiré. Et encore une fois, avec une tête du Red Star, c'était Anani. Ouais. Avec le centre de Guel, il est bon encore. Attention. Et la reprise, la reprise de Damien Durand. Et ça fait 1-0 ici pour le Red Star au stade Charles Massot. C'est l'étoile rouge qui marque en premier dans cette rencontre. Ouais, très belle volée de Damien Durand. Voilà. Et c'est chose faite. Et en tout cas, à la pause, ça fait 1-0 pour le Red Star. Ah, le ballon sur Cheick Ndoye. Attention. Avec ce ballon et le petit piqué. Ouais, et ça fait 2-0. 2-0 pour le Red Star avec ce ballon en profondeur. Et le petit piqué juste à côté de Yann Maria. C'est l'entrée, hein, le joueur qui est rentré. Et oui, on l'avait dit en début de rencontre, Issouf Makalou. Il va falloir faire attention à lui. Il est rentré et il marque le troisième but de sa saison. Donc le dégagement de Yann Maria. Ouais. Et c'est la fin du match ici au stade Charles Massot. Les joueurs d'Abibay, heureux d'avoir renoué avec la victoire.